Bonjour et bienvenue sur La conscience dans l'assiette que vous retrouvez sur la chaîne YouTube ainsi que sur le groupe Facebook. Manger en conscience, c'est avoir des achats responsables. C'est un respect de son corps au quotidien. Cela se fait pas à pas, car cela n'est pas évident dans notre société. Découvrez cette séance d'hypnosophrologie qui va vous permettre petit à petit d'intégrer au niveau inconscient la minceur en conscience. Je suis Yoann Benoni, hypnologue. Je vais vous accompagner pour cette séance qui s'intitule « Mincir en conscience ». Bon voyage! Écoutez le son de ma voix. Et alors que vous écoutez mes paroles, j'aimerais que vous concentriez sur un point derrière votre front, juste situé entre les sourcils, mais de l'intérieur de vous-même. Vous savez, c'est aussi ce point que l'on nomme parfois le troisième œil. Concentrez-vous sur ce point, entre vos sourcils, et maintenant, je vais commencer à compter lentement, de 25 à 1. Quand je dirai le chiffre 25, je veux que vous fermiez les yeux. Quand je dirai le chiffre 24, je veux que vous les ouvriez. En fait, c'est très simple. Fermez les yeux sur les chiffres impairs, ouvrez les yeux sur les chiffres pairs. Bientôt, vos yeux vont devenir tellement lourds qu'il sera plus facile de les garder fermés. Pendant que je compte, vos yeux, soit ouvert ou fermé. N'oubliez pas de retenir, de vous concentrer sur le point derrière votre front. Ne réduisez pas votre attention pendant que je compte. Gardez les yeux fixés sur ce point. Maintenant, respirez profondément. Et détendez-vous. 25. Fermez les yeux, mais gardez-les fixés sur ce point derrière votre front. 24. Ouvrez lentement les yeux. 23. Refermez-les, tout en continuant à vous concentrer. 22. Ouvrez les yeux lentement, tout en écoutant ma voix et les ressentis de votre corps. 21. Refermez les yeux. Et bientôt, vous sentirez que vos paupières sont tellement lourdes que vous ne pourrez plus les ouvrir. 20. Ouvrez-les doucement. Et vous réalisez que c'est difficile parce que vos paupières sont fatiguées, lourdes. Vous vous sentez envahi par un sommeil de plus en plus profond. Profond. 19. Laissez-les se fermer maintenant. Vos paupières sont si lourdes, si détendues. En fait, elles sont lourdes et détendues. 6 lourdes et 6 détendues que vous entrez dans une complète et profonde relaxation. 18. Doucement, ouvrez les yeux. Cela demande un effort, car ils sont fatigués,
Ils sont lourds, si fatigués, si lourds. Et vous continuez à vous concentrer sur ce point derrière votre front. 17. Vos yeux sont de plus en plus lourds. Ils sont si détendus que vous n'arrivez presque pas à les ouvrir. Vos yeux sont fatigués. 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 16. Vous essayez doucement, comme c'est possible, autant que faire se peut, de les ouvrir. Mais c'est bien trop difficile, et d'ailleurs vous arrêtez d'essayer. 15. Ils sont maintenant fermés, comme s'ils étaient collés. Et à chaque fois que vous essayez de les ouvrir, cela devient de plus en plus difficile. D'ailleurs, plus vous pensez que vous allez y arriver, plus c'est facile de conserver vos yeux fermés. Car finalement, vous arrivez à les conserver complètement et totalement fermés. 14. Sentez comme vos yeux sont lourds. Lourds. D'ailleurs, vous entrez dans un état de relaxation de plus en plus profond. 13. Laissez-les fermer maintenant. C'est bien. Ouvrez votre esprit. 12. Vous êtes complètement détendu et chaque nombre qui passe vous plonge dans un état de relaxation encore plus profond. 11. Vos paupières sont maintenant tellement lourdes qu'il vous est totalement impossible de les ouvrir. 10. Vous n'essayez plus. Vous ne luttez plus. Vos paupières sont tellement lourdes que vous préférez les garder fermées. 9. De plus en plus détendu. De plus en plus détendu. Vous sentez que chaque partie de votre corps est plongée dans un état de profonde relaxation. 8. Totalement en paix avec vous-même, avec le monde entier, vous êtes si profondément détendu que plus rien ne vous dérange, plus rien ne peut perturber votre paix. 7. Dans une relaxation totale et complète, les sons autour de vous s'estompent doucement. 6. Je vais maintenant compter de 5 à 1 et vous entrez dans un état de relaxation encore plus profond. 5. Laissez-vous aller. Appréciez cette sensation de tranquillité, de paix. Sentez le calme et le silence dans votre âme. 4. Vous sentez bien, en sécurité. Vous êtes dans un état de relaxation totale et complet. 3. 2. 1. Vous laissez maintenant la pluie tomber et emporter avec elle ce qu'il y a à emporter. Vous laissez cette pluie nettoyer, purifier, régénérer. Vous êtes maintenant totalement et complètement détendu. Pendant que vous continuez à vous concentrer sur le son de ma voix, je vais vous demander d'imaginer certaines choses. Et plus vous les imaginez, plus vous vous détendrez. Imaginez que vous êtes debout, à un carrefour, en train de décider quel chemin prendre. Soit une année de plus, en train de prendre du poids, ne vous aimant pas, triste, abattu. Ou l'autre chemin, le chemin qui mène vers un avenir mince,
positif, heureux. La route sur la gauche est inclinée vers le bas. Alors c'est une route facile. La vieille route familière que vous avez suivie pendant des années. La route sur la droite monte légèrement. Elle demande un peu d'effort, car il faut faire quelques changements. Mais vous savez qu'elle aura des retombées positives. Pendant les prochaines minutes, vous allez effectuer un voyage mental. Tout d'abord, empruntez la route sur la gauche. Projetez-vous dans un an. Réalisez comment vous vous sentez, mangeant trop, des mauvais aliments, de la mauvaise manière, des aliments de mauvaise qualité. Réalisez que sur cette route, vous êtes en surpoids. Sur cette route, vous n'avez aucun contrôle de votre alimentation. Vous pouvez avoir des grignotages, des pulsions, un mal-être. Visualisez les ordures qui jonchent cette route, les emballages vides de nourriture et toute la douleur émotionnelle que cela vous a causée. Imaginez. Ressentez, créez votre apparence dans un miroir, l'air plus âgé, l'air plus lourd. Reconnaissez que si vous prenez cette route, vos proches seront déçus, votre santé en danger. Sentez le poids non seulement sur votre corps, mais aussi le poids d'avoir échoué. Maintenant, visualisez, ressentez, créez. Prenez quelques instants en musique pour ressentir ce qui se passe sur ce chemin. Maintenant, revenez au présent. Vous regardez la route sur la droite. Vous réalisez que c'est la route qui mène au succès. Le chemin de la liberté, de la confiance en soi, de la santé, de la longévité. Visualisez-vous un an après avoir choisi cette route. Imaginez, ressentez, créez votre sensation de fierté, de bien-être, de contentement, de réussite. Réalisez que votre vie n'est plus régie que par le choix alimentaire. Il s'agit d'un changement permanent, d'un nouveau mode de vie. Vous mangez en conscience, des aliments plus sains, plus bénéfiques pour vous, plus respectueux de l'environnement. Maintenant, imaginez, ressentez, créez que vous avez atteint votre objectif de poids. Que ressentez-vous? Avez-vous de l'énergie? Avez-vous confiance en vous? Quelles sont les tenues que vous portez? Où les achetez-vous? Évitez-vous toujours les photos? Imaginez votre reflet dans le miroir. Vous avez l'air plus jeune,
Vous portez des vêtements neufs. Les gens vous complimentent. Ils vous regardent différemment. Vous mangez des aliments plus sains, plus positifs pour vous et votre santé. Vous êtes fier de vous. Vous êtes un exemple pour votre famille. Maintenant, prenez quelques instants pour continuer de visualiser et de ressentir cela. Maintenant, prenez conscience que vous êtes toujours à l'embranchement de ces deux routes. Mais vous êtes sûr, vous n'avez absolument aucun doute que vous êtes prêt à changer. Les avantages à long terme d'être mince et en bonne santé sont tellement supérieurs à la satisfaction de manger les mauvais aliments pour les mauvaises raisons. Prenez le temps d'imaginer le futur que vous désirez. Visualisez-vous plus mince. Remarquez comment vous vous sentez. Vous avez confiance en vous. Vous avez décidé de prendre en main la qualité de votre vie et vous êtes en train d'atteindre vos objectifs. Cela ne fait pas si longtemps que vous avez maintenant ces prises de conscience essentielles sur votre poids, votre santé, votre alimentation. Vous avez plus de conscience dans votre quotidien. Mais vous avez déjà envie de manger moins. Et lorsque vous mangez, vous êtes plus rapidement rassasié. Concentrez-vous pendant quelques instants sur la taille de votre estomac qui a besoin de moins en moins de nourriture chaque jour. Juste ce dont vous avez besoin pour apporter l'énergie, la vitalité, la santé à votre corps. Mais pas de superficiel. Et pendant que vous vous concentrez, vous remarquez que vous êtes concentré. Vous remarquez ce qui dans votre vie semble vous limiter et vous en libérer. Et vous vous en libérez. Plus rien ne peut vous empêcher d'être la personne que vous voulez être. La conscience s'installe pas à pas en vous, dans votre vie, et dans chaque instant de celle-ci. Imaginez que vous mettez toutes vos pensées négatives, vos tensions, vos blessures et vos préoccupations dans la nacelle d'un ballon. Comme une montgolfière qui emmène loin, très loin, au-delà de l'horizon, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et maintenant, pensez aux efforts que vous avez faits. Prenez quelques instants pour ressentir et visualiser cette nacelle qui disparaît peu à peu de votre champ de vision, de votre champ de conscience. Et maintenant, pensez aux efforts que vous avez faits. Pensez aux changements que vous avez réalisés. Souvenez-vous comment vous sentiez avant d'éliminer du poids. Vous êtes maintenant une personne différente, si différente de celle que vous étiez avant. Toutes vos pensées négatives ont disparu, remplacées par des pensées positives, fraîches. Des pensées positives sur vous-même et votre habilité à mincir. Vous contrôlez vos habitudes alimentaires. Vous contrôlez même la façon dont vous pensez à la nourriture. Elle ne vous contrôle plus. Vous la contrôlez. Et vous remarquez comme c'est agréable.
Vous remarquez comme c'est agréable d'éliminer du poids jour après jour, kilo après kilo. Vous atteignez le poids que vous désirez et vous maintenez ce poids atteint, car votre vie a changé, évolué. Vous avez réussi, vous, personne d'autre, vous seul. Vous seul, ni votre famille, ni vos amis, mais vous avez réussi. Et tous les jours, il vous sera plus facile de contrôler ce que vous mangez et quand vous le mangez. Et si vous pensez à manger lorsque vous n'avez pas faim, votre subconscient va vous distraire et vous obliger à faire autre chose pour vous détourner de cette pensée en lien avec la nourriture. Vous traitez la nourriture d'une manière complètement différente parce que vous contrôlez ce que vous mangez, vous contrôlez votre vie, vous mangez régulièrement de la nourriture saine, adaptée, en pleine conscience, dans des actes réfléchis dès l'achat des différents produits. Vous savez que ces produits, ces aliments, vont faire partie de vous lorsque vous allez les ingérer. Donc vous les choisissez méticuleusement en amont. Vous mangez des petites portions, en utilisant des assiettes plus petites, en posant votre fourchette de temps en temps, en prenant le temps. Vous découvrez, petit à petit, le fait de manger en pleine conscience. Vous pouvez prendre une assiette plus petite également. Vous n'utilisez plus jamais l'excuse du stress ou de l'ennui pour pouvoir manger. Vous mâchez lentement, en vous concentrant. Vous appréciez chaque bouchée. Vous savourez le goût des aliments, les textures. Vous vérifiez toujours si vous avez vraiment faim avant de manger. Vous n'utilisez plus jamais l'excuse du stress ou de l'ennui pour pouvoir manger. Vous mâchez lentement en vous concentrant. Vous appréciez chaque bouchée. Vous savourez le goût et les textures des aliments. Vous vérifiez toujours si vous avez vraiment faim avant de manger. Et vous sentez le signal envoyé par votre estomac lorsqu'il vous dit « Stop, je n'ai plus faim, je suis rassasié ». À ce moment-là, vous arrêtez simplement de manger. Vous repoussez votre assiette, même si elle n'est pas terminée. Vous êtes satisfait. Bientôt, je vais compter et vous allez sortir de l'hypnose. Ma voix restera présente dans votre esprit comme une petite voix qui vous dira « J'ai une aptitude naturelle à réussir tout ce que j'entreprends, car le succès devient pour vous une habitude maintenant que vous cultivez un peu plus chaque jour. Et vous réussissez parce que vous mangez moins, vous mangez mieux, vous mangez en conscience. Vous êtes sûr de vous contrôlez votre poids et vous contrôlez totalement votre alimentation. Allez, on mobilise votre inconscient pour revenir maintenant. 1. Vous revenez doucement à la réalité et vous entendez ma voix qui vous ramène dans l'ici et maintenant. 2. L'énergie commence à circuler dans tout votre corps. 3. Vos paupières commencent à s'ouvrir tout doucement et vous atterrissez avec bienveillance et amour pour vous. 4. Presque réveillé, vous êtes détendu et paisible et à la fois plein d'énergie. Et 5, aux yeux ouverts, vous êtes maintenant complètement réveillé. Vous sentez calme, serein, détendu, en pleine possession de tous vos moyens, déjà améliorés, déjà optimisés. Réveillez-vous, éveillez-vous, soyez fiers de vous.